Hello les duelistes, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour la toute première vidéo de l'année 2023. D'ailleurs, bonne année puisque j'ai pas eu l'occasion de vous le dire avant. J'ai eu pas mal de choses à faire ces derniers temps, notamment avec les préparatifs de mon mariage qui prennent un temps fou, c'est incroyable. J'ai eu pas mal de boulot, pas mal de projets personnels, j'ai vu de la famille également. Bref, j'ai été surbookée, mais je suis très très heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo d'ouverture Yu-Gi-Oh! Avec un display incroyable défenseur sous vos yeux que j'ai eu sur la boutique Repère du Dragon, ma boutique coup de cœur. Et partenaire depuis des années maintenant, donc je vous la recommande si vous souhaitez vous procurer des séries Yu-Gi-Oh! Je vous mets le lien de la boutique dans la description. Il n'y a pas spécialement de code promo pour ce produit, par contre j'essaie de vous en réserver un pour la prochaine série. En revanche, vous savez que vous avez toujours mon lien de parrainage qui se trouve dans la description. Vous créez votre compte dans la foulée et puis vous avez vos 3€ offerts sur le premier achat, la première commande, donc je ne peux que vous recommander la boutique et ils ont pas mal de choix en Yu-Gi-Oh! En accessoires, etc. Donc voilà, je vous propose de ouvrir tout de suite en fait, parce qu'à l'intérieur on peut avoir des collecteurs rares et surtout on a 3 nouveaux archétypes. Mince, je viens de me rendre compte que j'ai pas pris ma paire de ciseaux pour l'ouvrir. Bref, c'est pas grave, les 3 archétypes étant Mikanko, AS Sauvetage et Pureli. Donc j'ai vraiment trop hâte de découvrir les cartes de Pureli. J'espère qu'on aura de la chance à ce niveau là j'espère choper les cartes ultra de cet archétype. Mikanko aussi, ça me déplairait pas. Franchement, ça a l'air vraiment ouf. D'ailleurs, pour vous donner un petit aperçu, ici on a l'archétype Pureli, Ohime, la manifestation, Mikanko, et là nous avons AS Sauvetage. Donc j'ai rien trouvé, j'ai pas trouvé de paire de ciseaux, j'ai un petit bidule, je sais même pas ce que c'est, je pense que c'était pour faire de la bricole. Mais regardez, ça fait le café finalement. Ça me permet quand même d'ouvrir cette boîte, donc qui est magnifique, hein, soit dit en passant. Et je vous montre le dos, à l'intérieur on peut avoir des collecteurs rares, j'espère que ce sera le cas parce que ça fait super longtemps que j'en ai pas chopé une. Nous avons donc 35 cartes rares, des super rares bien entendu, des ultra rares. Et puis voilà, j'espère qu'on aura surtout encore une fois l'archétype Pureli que je vise depuis un certain temps. Alors à l'intérieur on retrouve 7 cartes par booster et il y a 24 boosters à l'intérieur. Comme c'est écrit sur la boîte. Allez, c'est parti, on a une montagne de boosters, ça dégringole, c'est parfait, c'est ce qu'on aime, et on va pouvoir commencer avec ce premier booster. Cette carte, ça va vite en plus. On fait un petit peu de place, un petit zoom, donc on a que des cartes rares, je crois, et puis après on aura eh bien, soit une super rare, soit une ultra, soit une collector. Allez, il faut rêver un petit peu. Donc là, on a le QG des secours As. Ok, donc carte terrain, donc ça m'intéresse pas trop, je vais pas m'attarder dessus pour gagner du temps. Là on a Renaissance X6, ah ça par contre c'est cool. D'ailleurs, j'en ai pas parlé, mais il y a plein de rééditions assez intéressantes, telles que 1 pour 1, c'est la réédition que j'attends le plus. Renfort de l'armée, machine de duplication, qu'est-ce que j'oublie en fait. Gizmek Orochi, préparation des rites, soldat de cartes, enfin il y a beaucoup de choses, on va le découvrir ensemble. Donc Renaissance X6, ça c'est très cool, voilà une des rééditions aussi. Carte de Piri Race, donc je sais pas si ça se prononce comme ça, en vrai je l'ai toujours dit comme ça moi personnellement. La bénédiction des lutins, ça c'est chouette aussi, ça c'est vraiment génial comme carte rituelle. Ici on a l'importation X6, autre réédition, voilà on prend toujours. Hein. Là nous avons Extinction, donc une nouvelle carte avec AS Sauvetage hein, j'imagine. Et derrière on a la première super rare qui est Nini le miroir Mikanko. Donc Mikanko, je prends, moi ça me dit bien, c'est un archétype que j'ai envie de découvrir. C'est vrai que j'aurais pu lire ce qu'elle fait, c'est vrai. Donc ça, on a vu. Ok, heureux souvenir Pureli, voilà. Ça c'est plutôt sympa. Ça m'intéresse, même si c'est une simple rare. Ensuite, nous avons... je vois pas très très bien avec la brillance. Rival Tribal X6. Ok. Rue Pureli Errant. Très bien. Et derrière, je sais pas pourquoi je dis et derrière, parce qu'il nous reste encore une carte. Rondo du Reflet Mikanko. Elles sont trop trop belles les cartes à part ça. Vraiment, elles sont sublimes. Renfort de l'armée, voilà, réédition qui fait bien plaisir aussi. Et régénérateur habillé. Donc cibler un monstre X6 face recto sur le terrain, attachez-lui cette carte comme matériel. J'avoue, c'est toujours bien pratique de rattacher un matos. Surtout que moi, j'ai pas mal de decks qui utilisent des cartes X6. Allez, booster suivant. Ici, nous avons Kagura Mikanko. Donc la carte magie rituelle. Ok, Mikanko ça me dit bien, mais quand même, je suis plus axée sur Pureli, donc j'aimerais avoir du Pureli s'il vous plaît. Arsenal secret, là c'est estampe sacrée de la légende de Gizmek. Délicieux souvenir Pureli, franchement elles sont trop trop choupies les cartes à chaque fois. L'archétype me fait un petit peu penser à ma Dolch, mais pour le coup c'est pas du tout la même chose. Donc Gizmek Orochi, voilà, ça fait plaisir à récupérer. Rivalité Mikanko.
et derrière Impulsion des secours As en super rare. Donc je vous laisse lire si ça vous intéresse. Donc prochain booster, nous avons carte de Piri Reis. Ensuite, arme noble Inferno Durandal. D'ailleurs, il y a aussi Renault, chevalier noble Inferno aussi, que j'aimerais bien avoir en réédition. Il y a Soravis également, qui fait plaisir en réédition. Bon Purelli, ok. Elles sont trop belles les cartes, franchement. Alors je vais lire celle-là aussi, ça m'intéresse. Ciblez un monstre X6 Purelli que vous contrôlez. Invoquez spé un monstre X6 Purelli de rang différent depuis votre extra deck en utilisant la cible comme matériel. Mais renvoyez-le à l'extra deck durant la end phase du prochain tour. Ceci est traité comme une invocation X6, ok. Transférez ces matériels au monstre invoqué. Vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière, puis cibler max 3 monstres Purelli dans votre cimetière, mélangez-les dans le deck. Ouais, c'est pas mal en fait, ça tourne bien avec ça le deck. Hein. Bonheur et Purelli, d'accord. Et ben ça, c'était pas le monstre X6 présent sur la boîte, c'est ça hein. Ah non, pas tout à fait. Je connais pas encore très bien, il faut que je regarde tout ça. Là, j'ai encore une fois envie de lire pour découvrir. Donc à la fin de la Damage Step, si cette carte a combattu, vous pouvez ajouter une carte Purelli depuis votre deck à votre main. Et aussi, si cette carte a Heureux Souvenir Purelli comme matériel, vous pouvez diviser par deux l'attaque d'un monstre face recto sur le terrain, max 3 fois par tour. Lorsque vous activez une carte Magie Jeu Rapide Purelli, vous pouvez attacher la carte... Ok, la carte sur le terrain a cette carte comme matériel, puis vous pouvez envoyer une magie piège contrôlée par votre adversaire à la main. C'est très fort, mais en fait, c'est blindé d'effets, quoi. Il y a plein d'effets. Ok, donc soldat de cartes, super, voilà, réédition dont je parlais également. Un pour un en super rare, ça fait trop plaisir à récupérer, parce que bah, c'est une carte que j'utilise dans plein de decks, mine de rien, et j'en ai jamais assez, en fait. Ça me manquait pas mal, et le fait qu'elle soit en super rare, ça fait quand même vachement plaisir, plutôt qu'en simple rare, comme les autres rééditions. Donc ça, c'est vraiment très cool à récupérer, je prends. J'espère qu'on en aura d'ailleurs au moins une deuxième dans ce display. Donc ici, nous avons Attaque-feu des secours As, ok, en carte rare. Heureux souvenir Purelli, voilà donc la carte dont on parlait, hein, magie rapide, qui peut s'attacher apparemment en matériel X6 au monstre Purelli, donc ça c'est plutôt cool. D'ailleurs, est-ce qu'on l'avait lu celle-ci? Oui, il me semble. Hein. Arsenal secret, la cérémonie du grand Mikanko. Dragon protecteur cuirassé, bon Purelli, et derrière beauté et Purelli. Franchement, c'est le cas de le dire, elle est trop belle la carte. Waouh, et donc que fait cette carte super rare? Donc, je crois que le focus, il a du mal en fait avec les cartes un peu plus sombres. Une fois par tour, vous pouvez cibler un monstre à effet contrôlé par votre adversaire. Jusqu'à la fin de ce tour, annuler ses effets. Déjà, c'est pas mal. Ceci est un effet rapide si cette carte a beau souvenir Purelli comme matériel. Max 3 fois par tour, lorsque vous activez une carte magie jeu rapide Purelli, vous pouvez attacher la carte sur le terrain à cette carte comme matériel, puis vous pouvez changer la position de combat d'un monstre contrôlé par votre adversaire. Ah ouais, c'est chiant. Bon, ça cible, mais du coup, on peut annuler les effets d'un monstre de l'adversaire et on peut changer sa position de combat. Ça, c'est plutôt pas mal, en fait, comme carte. En plus d'être très belle, elle est quand même assez sympa, assez forte. Ok, bon, j'aimerais bien voir quand même les petites cartes ultra. Ce serait pas mal qu'on tombe sur une première carte. Alors ici, nous avons Danse de la Purification Mikanko. Là, nous avons Préparation des Rites. Bah, super, bah, c'est pour le deck Mikanko, hein, du coup. Donc, estampe sacrée de la légende de Gizmek. Délicieux souvenir Purelli. Machine de duplication, on l'attendait, qu'on joue généralement dans Cyberdragon, etc. Mais bon. Limiter Removal, ça aussi, j'en ai pas parlé. Très bonne réédition pour les monstres machines. Et Bonheur Ex Purelli. Et ben super. Et ben d'ailleurs, c'était pas... Mais c'est celle-là, hein. Cette fois-ci c'est celle-là, c'est la bonne carte, Bonheur Ex Purelli qui est sur la boîte, je sais pas pourquoi je tiens absolument à connaître le monstre, voilà. Donc vous pouvez aussi invoquer par Exis cette carte en utilisant un monstre de rang 2 que vous contrôlez avec minimum 5 matériels, ah ouais. Transférez ce matériel à cette carte, durant votre main phase vous pouvez détacher un matériel de cette carte, et si vous le faites, annulez les effets de tous les monstres face recto actuellement contrôlés par votre adversaire, ok, jusqu'à la fin de ce tour. Votre adversaire ne peut activer ni de carte ni d'effet en réponse à l'activation de cet effet si cette carte a un monstre Purelli de niveau 1 comme matériel. Lorsqu'une attaque impliquant cette carte qui a minimum 5 matériels est déclarée, infligez 1500 points de dommage à votre adversaire. J'avoue, c'est fort. Et puis ça a quand même 2500 points d'attaque. Aussi, comme monstre X6, c'est quand même très puissant, je trouve. C'est sympathique. Franchement, j'adore cet archétype. Il faut vraiment que je le teste. D'ailleurs, si vous avez des decklists intéressantes à me... Enfin, des decklists.
Oui, c'est ça, une decklist intéressante à me présenter de l'archétype Pureli. Je prends parce que j'ai trop envie de jouer le deck, tout simplement. Donc, épée à double tranchant. Donc, confinement. On est en plein Covid, là. Heureux souvenir Pureli, ok, super. Rondo du reflet Mikanko. Bénédiction des lutins. Gizme Korochi. Et moniteur des secours As. Ok, bon, ça, c'est pas vraiment ce qui nous intéresse. Donc, je vais pouvoir enchaîner rapidement sur un autre booster. Bon, si vous entendez du bruit, c'est normal. J'ai mes chats qui sont surexcités et qui, voilà, qui gambadent un peu partout dans la maison. Donc, QG des secours As. Ici, Renaissance Xyz, Importation Xyz, Soravis, pardon. Arme Noble Inferno Durandal. Là, on a Promesse Mikanko. Elles sont belles, les cartes Mikanko aussi. Et un pour un, cool, la deuxième. Ok, bon, trois, je dis pas non non plus. Et après, il faudra peut-être laisser la place à d'autres cartes super rares. Et donc ici, nous aurons Gizmek Naganaki. Ok. Délicieux souvenir Pureli. On l'a un paquet de fois, cette carte. Donc, Rival Tribal Xyz, Rivalité Mikanko, Attaque Feu des Secours As, Limiter Removal, et Arrêt l'épée Mikanko. Elle est trop stylée, la carte. Guerrier Feu. Franchement, elle est trop belle. Faudrait vraiment que je m'intéresse aussi à ce deck, vraiment. Je pense qu'il a pas mal de potentiel aussi. Alors, là, nous aurons l'épée à double tranchant. Soldat de cartes, la cérémonie du Grand Mikanko, Roland, chevalier Noble Inferno, renfort de l'armée. Ouh là là, j'ai brûlé les étapes. Monter des secours As et danse du feu Mikanko. Trop belle la carte, encore une fois. Donc, on voit pas d'ultra là. On n'a pas d'ultra. Où est-ce qu'elles sont planquées? Il y a encore tous ces boosters en vrai, mais. Je vais voir la première ultra. Donc, du coup, comme c'est pas une série principale et qu'il y a que 7 cartes par booster. On peut avoir combien d'ultra? On va pas rester sur 4, je pense pas. Hein. C'est une plus petite série. Donc, confinement. Heureux souvenir Pureli. Rondo du reflet Mikanko. Bénédiction des lutins. Gizme Korochi. QG des secours As. Ah! Mais trop bien! C'est celle que je voulais. C'est celle que je voulais le plus. Ok, bah Pureli, justement, elle-même. En ultra rare. Donc, trop bien. trop bien. C'est vraiment la carte que. Je ciblais le plus en fait. On va lire tout ça. Alors, si cette carte est invoquée normalement ou spécialement, vous pouvez dévoiler les 3 cartes du dessus de votre deck. Et si vous le faites, vous pouvez ajouter une magie piège Pureli dévoilée à votre main. Et aussi placer les cartes restantes au-dessous de votre deck dans l'ordre de votre choix. Une fois par tour, durant votre main phase, vous pouvez révéler une magie jeu rapide Pureli dans votre main, invoquer spé un monstre Xyz depuis votre extra deck qui mentionne la carte en utilisant cette carte que vous contrôlez comme matériel et attacher la carte révélée au monstre invoqué. Oh, c'est fort, hein. Franchement, c'est fort. C'est fort, la carte, elle est badass en plus, d'être trop belle. Vraiment trop contente pour cette première ultra qui est l'une des ultras qui cote le plus de la série. Donc, je prends avec plaisir. Là, franchement, j'estime que sur cette ultra, on a été chanceux. Là, c'est vraiment cool. Ok. Bon, prochain booster. Au moins, la première ultra est tombée. Oh, j'ai eu un petit truc là. Ouh, il y a une carte qui a pris un peu cher là. Bon. Bon, j'espère que c'est pas une ultra du coup. Soldat de cartes, la cérémonie du Grand Mikanko, Roland Chevalier 1, renfort de l'armée, monteur des secours As, Gizme Korochi. Oh, il y avait ça aussi, c'est vrai. Isolde, deux récits du Chevalier Noble, carte qui a été assez connue en fait, jouée dans un autre deck, pas du tout Chevalier Noble, mais avec des pendules, etc. Que c'était trop fort ça sur Master Duel. Mais ça fait plaisir de la récupérer, même s'il y a eu un petit pet à l'arrière. De la carte, en tout cas c'est cool de l'avoir. Bon allez, on est en forme, on veut des super cartes. Je vérifie maintenant. Non, ça va m'obséder, je vais regarder derrière les cartes à chaque fois. Donc Rivalité Mikanko, Promesse Mikanko, Extinction, Soravis, Estampe Sacrée de la Légende du Gizmek, Danse de la Purification Mikanko et Impulsion des Secours As. Mais c'est pas ce qu'on veut, on veut pas ces cartes là nous. Non, c'est pas ce qu'on veut. Je les garde quand même si parce que il faut compléter la série, moi je collectionne en plus de jouer, donc si ça m'intéresse quand même de les avoir, mais juste une fois. Délicieux souvenir Pureli, décidément. Rival Tribal Xyz, Rivalité Mikanko, Attaque Feu des Secours As, Limiter Removal, Épée à double tranchant et Dodu et Pureli. Dodu, ah bon? C'est un gros Épureli quoi, il est gros. Que nous dit cette carte? Du coup, une fois par tour, vous pouvez cibler max 2 magies pièges dans les cimetières, attachez-les à cette carte comme matériel. Ouais, c'est pas mal. Ceci, attends, dans les cimetières. Hein. Ouais, donc on peut en piquer aussi à son adversaire.
Ceci est un effet rapide. Si cette carte a délicieux souvenir Pureli comme matériel, max 3 fois par tour, lorsque vous activez une carte magie jeu rapide Pureli, vous pouvez attacher la carte sur le terrain à cette carte comme matériel, puis vous pouvez bannir un monstre sur le terrain jusqu'à la end phase. Ok. Ouais, toutes les cartes, elles ont un peu le même principe, hein, en fait, hein, de rattacher des cartes magie jeu rapide, magie piège, comme matériel, et puis après, elles ont leur effet qui leur est propre. Mais voilà, en tout cas, c'est vraiment sympa, parce qu'on en a pas mal, là, des Pureli, et je suis grave contente. Bon, il faudra quand même que j'en achète d'autres, forcément, ou alors que j'ouvre un autre display, mais... En tous les cas, ça se profile bien. Donc, Bonheur et Pureli. Ensuite, machine de duplication, rival tribal Xyz, préparation des rites, rondeau du reflet Mikanko, monte RD, secours As et danse du feu Mikanko qu'on a déjà eu. Ok. Bon, là, ça aurait été rapide sur ce coup-ci. Alors là, on a importation Xyz. Je fais un peu de place. Limiteur removal, non, ça on a vu. Écoutez, je vais passer plus rapidement tout ce qu'on a vu. Rue Pureli errant. Je crois qu'on l'a eu qu'une fois. Préparation des rites. Et celle-ci, on l'a eu également, qui était très très jolie. Enfin, qui l'est toujours, mais bon, du coup, c'est la deuxième. Donc, il la faudra trois fois, la carte ultra que j'ai chopée, la Pureli. Renaissance Xyz, importation Xyz, Soravis, tout ça, on a vu. Machine feu des secours As. Mais c'est pas ce qu'on veut. Il y a pas mal de cartes super rares, mine de rien, en secours As. Hein. En vrai, le display est presque terminé. Ça fait grave peur. Bon, qu'une ultra pour l'instant. Hein. Cérémonie du grand Mikanko, limiteur removal, importation Xyz, promesse Mikanko, machine duplication, ok. Mais non, on n'en veut pas de ces trucs. On n'en veut pas. Bon, peut-être que vous, en fait, si, ça vous hype de fou, en fait. Hein. Mais c'est pas ce que je recherche. Je veux les magnifiques Pureli. Donc, danse de la purification Mikanko. Estampe sacrée de la légende de Gizmec, ok, soldat de cartes, c'est toujours sympa aussi à récupérer quand même. Ok, et régénérateur habillé qu'on a déjà eu tout à l'heure pour du coup attacher en matos Xyz, qui est bien pratique et qui pourra parfaitement aller dans le deck Pureli, forcément, comme vous l'aurez compris. Alors là, on a dragon protecteur cuirassé. Ok, tout ça, on a eu jusqu'à présent. Dodu et Pureli. Ok, c'est la deuxième, mais moi je veux bien, puisque bah, je pense qu'il faudra les mettre plusieurs fois, peut-être x2, dans l'extra deck. Oh, je l'ai mal ouvert ce booster. Alors, machine de duplication, renfort de l'armée, ok. Ah, il nous faut une collector rare, allez! Non, toujours pas. Il reste 3 boosters. En vrai, il reste que 3 boosters, la boîte est vide. Je suis trop choquée, on a eu une ultra. Bah peut-être, bah oui, en même temps, il me semble que dans les séries non principales, en fait, avec réédition, les petites séries comme ça, avec cette carte à l'intérieur, on a que 2 ultras. Voire une collector, peut-être. Donc, rue Pureli, errant. Ok, tout ça, on connaît. Bon, une petite double. Bon, ça fait pas de mal, celle-ci, en même temps, je crois que je l'avais eu qu'une fois avant sa réédition. Pourquoi pas? Avant-dernier booster. Allez, s'il vous plaît, croisez les doigts. Ah, deuxième ultra, alerte. C'est pas du tout ce que je voulais. C'est pas du tout ce que je voulais. Ça fait pas non plus partie des ultras qui cotent le plus dans la série. Mais on va quand même lire, puisque c'est une ultra supplémentaire. Donc cette carte est toujours traitée comme une carte secours As. Ajoutez un monstre secours As depuis votre cimetière à votre main. Ou si vous contrôlez Hydrant des secours As, qu'on n'a pas vu d'ailleurs, ça doit être une ultra. Vous pouvez ajouter un monstre secours As depuis votre deck à votre main à la place. Ok, ça fait beaucoup de secours As dans la même phrase en fait. Mais d'accord. Et bien, tout dernier booster, bah ouais c'est ça en fait, on pouvait avoir que, c'est bien ce que je pensais, que 2 ultras comparés aux séries principales où on peut en avoir 4, plus des secrètes, 2 secrètes en l'occurrence. Et là, si on a une collector là-dedans, dinguerie, mais vraiment truc de fou. Mais j'en doute, hein, je pense pas. Donc on a Rival Brigal Xyz machin, Bonheur et Pureli. Ok, suspense, attention. Oh si, quand même une troisième ultra. Ça c'est sympa, ok. Mais du coup j'ai le doute parce que peut-être que... Enfin tant j'ai pas eu de chance du tout et on est normalement sur 4 ultras et que
et qu'il m'en manque une. Redites-moi ça dans les commentaires parce que là j'ai un doute. Et là nous avons l'arabesque de l'eau Mikanko et c'est une des cartes ultra qui cote le plus de la série. Donc à mon avis elle doit être quand même pas mal forte. Le monstre équipé ne peut pas être détruit par des effets de cartes. Ah oui. Oui, déjà c'est pas mal. Durant votre main phase, vous pouvez invoquer spé un monstre Mikanko depuis votre main ou deck. Le nom d'origine différent du monstre équipé. Ok. Et si vous le faites, équipez-le avec cette carte, puis renvoyez le monstre qui était précédemment équipé avec cette carte à la main. Attendez, oh, j'ai rien compris. Faut que je relise. Hein. Vous pouvez invoquer spé un monstre Mikanko depuis votre main ou deck, de nom d'origine différent. Et si vous le faites, équipez-le avec cette carte, puis renvoyez le monstre qui était précédemment. Ok, ça va. Ok, c'est bon. Bon, c'était dit bizarrement, mais ok. Ou alors je suis très fatiguée, mais en tout cas voilà. Et ben, troisième ultra qui fait grave plaisir. On a eu une ultra de chaque archétype. Donc Pureli, alerte pour secours As. Et également Mikanko, franchement ça fait plaisir, je vous remontre ça tout de suite. Alors voilà, je les ai mis sous pochette. Donc à commencer par Pureli elle-même en carte ultra que je voulais absolument. Donc vraiment trop heureuse de l'avoir obtenue. Ensuite Arabesque de l'eau Mikanko. J'aurais bien aussi aimé avoir la carte rituel... Oime de la manifestation Mikanko en fait. Ça aurait été vraiment trop cool parce que la carte est trop forte. Et ensuite, alerte, donc en magie rapide de l'archétype Secours As. Voilà, je fatigue, donc je vais vous présenter ces trois dernières cartes et puis je vais aller me coucher en tous les cas. Si la série vous plaît, vous pouvez toujours passer commande auprès de ma boutique partenaire dans la description. Le lien y est, également mon lien de parrainage. Si vous n'avez pas encore créé de compte sur le site et que vous souhaitez passer commande, eh bien vous avez 3€ offerts en passant directement par ce lien et en créant votre compte. C'est quand même pas mal. Si vous êtes encore en train de visionner la vidéo, eh bien déjà, merci beaucoup parce que ça veut dire que vous restez jusqu'à la fin et j'en profite justement pour vous rappeler que je suis très intéressée par des decklists sur le deck Pureli. Donc si vous en avez et si vous savez un petit peu comment ça tourne, etc., bah, n'hésitez pas à me les faire parvenir puisque moi j'ai vraiment très envie de m'intéresser au deck étant donné que ça vient juste de sortir le 19 janvier. Voilà, je suis curieuse d'apprendre un petit peu comment ça tourne. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo, je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin si c'est le cas. Je vous fais plein de bisous, n'oubliez pas de croire surtout en l'âme des cartes et je vous retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye bye!